Est-ce que tu sens que ta vie aurait besoin de retrouver un certain équilibre à différents niveaux, que ce soit en fait à ton travail, tes occupations, à ton activité physique, ton alimentation, ton sommeil, ton repos, tes relations interpersonnelles avec les autres, avec tes amis, ta famille? J'ai assurément le bon livre pour toi. Mon nom est Pamela Sauvé, je suis coach certifiée en neurosciences, également chroniqueuse littéraire et auteure. Et aujourd'hui, nous parlons du livre « Le guide du focus 7-7 » de Eudoxie Adopo, publié chez Béliveau Éditeur. Le premier mot de ce livre-là, « guide », représente entièrement le contenu parce qu'à l'intérieur, vous avez plusieurs exercices à remplir. En fait, c'est sur 7 semaines. Alors, l'auteur vous invite à chaque semaine à reprendre un peu l'équilibre d'un sujet particulier, que ce soit justement l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, peu importe. Elle va d'abord vous donner des informations à chaque sujet que vous allez aborder en début de semaine, des pistes de réflexion, des questions à vous poser justement pour justement avoir des prises de conscience pour faire un pas de devant. Ensuite, vous remplissez l'exercice et vous appliquez vraiment le concept pendant 7 jours. Et ça vous permet justement d'apporter dans votre vie des nouvelles habitudes. Alors, l'objectif, c'est vraiment, vous allez à la fin avoir des nouvelles habitudes, des connaissances supplémentaires. Vous allez avoir procédé vraiment de façon méthodique. Vous allez avoir fait des prises de conscience. Vous vous êtes posé des questions et vous vous êtes surtout respecté et respecté votre corps. C'est justement super important d'être à l'écoute de soi, tout en donnant en fait au corps ce dont il a besoin, mais en se respectant soi-même. Je vous le remonte, le guide du Focus 7-7 de Eudoxie Adopo, publié chez Béliveau Éditeur. Je vous souhaite une super belle lecture. Bye tout le monde!